Bonjour, bonsoir tout le monde, bonjour, bienvenue sur le channel All in One Informatique pour une nouvelle vidéo. Je dis à la dans Microsoft Word. Nous allons montrer comment on est capable de changer la langue de frappe ou avec la langue qui a tapé texte. Texte est capable en français, mais la langue par Word reconnaître là c'est anglais. Ça ne fait que texte ou à te mettre pas et la donne Word a mis tout texte ou plus fort texte avec la souligné en rouge. Quand Word gagne, ça aurait un correcteur automatique qui est capable d'aider ou corriger un document que vous avez tapé. Là, après, on est capable de résoudre le problème. Non? Là, nous allons obliger de configurer le Word noir en anglais. Parce que là, il y a en français. Tout le fort texte que vous tapez en français, vous pouvez le mettre en rouge. Je veux dire que vous avez une erreur. Tandis que pas une erreur vraiment, c'est à cause que il n'est pas configuré pour français. Pour capable faire ça, nous allons venir ici, par exemple, nous allons faire review, on va cliquer sur review et puis nous venir dans language et puis nous venir dans set proofing language. La façon on va faire ça, on va venir en bas ici, pour la langue de frappe apparaît là, vous cliquez sur lui et puis vous venir même côté là. OK? On va passer par ici, on va faire review et puis on va cliquer sur language, on va cliquer sur set proofing language. Et puis nous allons mettre sur langue, nous allons mettre en français. Pour nous mettre en français, nous avons une liste langue là. Par exemple, nous tapons F, nous allons tomber dans toute langue qui commence par F. Et puis nous allons chercher en français. Par exemple, nous allons mettre en français haïtien, French, Haiti. Ok, nous cliquons sur French, Haiti. Et puis, nous allons cliquer sur le bouton qui est Set as Default. Ok, nous allons définir par défaut, langue ça par défaut, le document là. Ok, ça me fait cliquer. Et puis il m'a dit, est-ce que vous voulez faire changement ça? Oui, est-ce que vous voulez configurer la français? Oui, il me dit, yes, je vais faire ça. Et puis moi fait ok. Automatiquement, on va prendre que tout texte moyen qu'on a là. Ok, tout à l'heure, je vais sélectionner le texte moyen, je vais faire language, set proofing language, je vais mettre en français, ok, French, je fais set as default, je dis yes, et puis je fais ok. Ok, on va prendre le texte moyen là, il n'y a pas d'erreur là-dedans encore. Ok, parce que pour y aller là, lit en français. L'autre côté, je vais voir que le Word moyen est configuré en français, la langue de frappe moyen c'est français. C'est le menu ici, je vais que la langue de frappe moyen apparaît là sans problème. Là, on est capable de taper le texte moyen et puis on va voir les très agréable. Pour garder parce que tout à l'heure nous avons un paquet très rouge. Par contre, nos bagailles, par exemple, pour y aller, si je fais une erreur, okay, par exemple, la cigale, je vais mettre E et je vais écrire comme ça, automatiquement, après que Word mette là, il mette là rouge, je dis que bon erreur, une faute d'orthographe. Faute d'orthographe, Word mette en rouge. Et puis, pour me corriger, je vais faire clic droit sur le texte là et puis il propose okay, la cigale avec E et puis je vais corriger. Par exemple, faute de grammaire, yo, ou alors météo sur fond bleu. Par exemple, la bise fut venue, on dit que tu as retiré E dans venu. Là, mon faute de grammaire parce que venu pas accordé avec la bise. Okay? Là, il dit mon faute de grammaire. Il permet que l'opte en texte ou pas fait, en français par exemple, ou pas fait erreur dans le texte. Là. Si le texte est configuré en anglais, hein, pendant qu'on tape en français, hein, non seulement la page est désagréable parce que les combats sont très rouges, ils passent, ils mettent là dans le et puis on peut faire une correction, genre vous avez là parce que les pas configuré en français. Ok, on pense que là nous mettons plus et puis tout est texte soit normal, faute de grammaire en bleu et puis faute d'orthographe les mettez en rouge. C'est astuce de voter pour nous aujourd'hui sur channel All in One Informatique là. Pas oublier abonner à chaîne si vous pouvez faire ça. Bon, mon pouce bleu pour nous montrer que nous apprécions la vidéo. Ciao, on a parlé dans une prochaine vidéo.